Et chers les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'A3 Tuto. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais vous présenter des arbres, mais celle-ci, cette fois-ci, de A à Z. Allez, place à l'intro. Alors, chers amis, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'allais faire un épisode spécial où j'allais vous présenter comment réaliser un arbre de A à Z. Comme vous pouvez voir déjà dans mon inventaire, j'ai les trois blocs de la semaine dernière, mais on va changer un petit truc. On va rajouter des fences. Alors, pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que dans Minecraft, nous avons ça comme pousse d'arbre. Alors, effectivement, c'est pas très beau. Si vous voulez améliorer ça, je sais pas comment je peux, bon, c'est pas grave. Vous allez utiliser les fences. Alors, pour utiliser les fences, c'est un peu particulier puisque, voilà, vous allez poser ça n'importe comment. Hop, vous allez faire comme ceci. Et voilà, vous avez un petit arbuste. Bien évidemment, vous pouvez retailler, comme je vous ai dit la semaine dernière. Et voilà, vous avez un petit arbuste bien sympathique qui est beaucoup plus réaliste que ça. Hein, très clairement. Je préfère avoir ça dans un champ que ça. Pourquoi j'ai fait cette petite arbuste? Bien évidemment, c'est si vous avez besoin de faire des petits arbres, ben vous pourrez utiliser cette technique-là. Donc déjà, nous avons créé un arbre de A à Z. Mais ça, c'est, je vais pas appeler ça un arbre, hein. Très clairement, c'est plutôt un arbuste. Pour créer un arbre, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va monter par exemple de 3. Hop. 1, 2, 3, voilà. Et là, au lieu de faire comme dans Minecraft avec un poteau de 6 ou de je sais pas combien, voilà, j'ai décalé. Bien évidemment, vous pouvez repasser par là et faire juste ça. Hein? Bref, le but c'est vraiment que vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez casser tous les troncs qui sont en hauteur. Voilà, vous allez faire comme ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Pour déjà qu'on ne voie pas. Pour qu'on ne voie pas quoi, les amis? Eh oui, les rainures du bois. Alors, du coup, là on n'a pas fini, on n'a pas fini. Là on a fait la base de notre arbre. Tiens, pour la beauté, on va en faire un, par exemple, qui monte un peu en diagonale. Voilà. Comme ceci. Ça marche très très bien. Du coup, maintenant on va reprendre nos petites fences. Qu'on va pas exagérer non plus. Voilà, on va faire quelques truc comme ça, voilà. Ça marche très très bien. Vous pouvez le voir. Parce que oui, dans les arbres, il y a des branches. Je suppose que vous le saviez. Mais bon, on ne sait jamais. Il y en a qui vivent peut-être dans des grottes. Du coup, voilà. Là, on a notre arbre avec des branches. Mais attendez, attendez, on n'a toujours pas fini. On va rajouter les feuilles pour finir. Et là, on va juste mettre beaucoup plus de feuilles, hein. Mais pas trop non plus pour pas cacher les branches. Donc en gros, on va juste poser par-dessus. Vous allez voir, vous allez voir. Attendez, hop. Donc voilà, j'ai mis quelques feuilles, on n'a pas fini bien évidemment puisqu'il faut en rajouter un peu à l'intérieur, sinon ça fait un arbre un peu vide. Hop, voilà, donc on rajoute, hein, n'hésitez pas à en rajouter, pas trop non plus pour pas trop cacher, mais n'hésitez pas à en rajouter. Mais là comme vous pouvez voir déjà ça fait un peu plat, alors du coup on va creuser un peu. On va retailler là, et là tiens, allez hop, comme ça on voit ça, ouais non. Mauvaise idée. Voilà, on va tailler un peu là. Tac là. Et puis voilà. Nous avons un arbre. Bien évidemment, vous pourriez le faire beaucoup plus gros. Hein, on n'oublie pas d'agrossir, quand j'aime bien ce terme. Il n'existe pas. Hein, je sais qu'il n'existe pas, c'est pas un vrai verbe. Mais j'aime bien le verbe agrossir. Alors. Je pense que ça va rester dans la chaîne. Mais du coup, voilà. On a fini notre petit arbuste. Bien évidemment.
comme la semaine dernière, on n'oublie pas la fameuse poudre d'os, la bonne mille, pour ajouter quelques plantes autour de notre arbre. Voilà. Chers amis, nous avons fini notre arbre. Effectivement, ils sont moins gros que ceux dans Minecraft Vanilla. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous regardez bien les arbres dans la vraie vie, il n'y a pas énormément de feuilles non plus. Hein. En fait, c'est vraiment, vous avez ça, hop, voilà, vous avez les branches, il y a des feuilles juste autour des branches. Donc ça permet, là déjà avec juste cet effet-là, on peut voir le bois qu'il y a dedans. Donc, c'est beaucoup plus réaliste que d'avoir 3 tonnes de feuilles et que du coup, on voit plus rien. Hein, si je veux, on peut le voir, hein, mais on va galérer. Alors que si je me mets là, voilà, hop, on va voir la fence, hein, on la voit. Hein. Donc, ne pas cacher la fence, ça permet justement de réaliser plus d'effets de branches. Je crois qu'on va le laisser là quand même, lui. Voilà. Donc, pensez, voilà, à cacher. Et du coup, vous allez voir que ça fait un arbre déjà beaucoup plus logique, beaucoup plus vivant. Voilà, par exemple, là, je peux casser. Là aussi, je suppose, oui, là aussi. Voilà. Et du coup, là, j'ai déjà rendu l'arbre beaucoup plus beau. On va le dire très clairement. Il est plus beau que ceux de Minecraft Vanilla. Et du coup, chers amis, l'épisode est fini, on va s'arrêter là, comme je viens de le dire. Et, chers amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et j'avais oublié de dire un petit truc la semaine dernière, n'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, puisque je suis sur Discord, Instagram et Twitter. Je ne poste pas grand-chose, mais en général, quand je poste des trucs, c'est que c'est... par exemple, la sortie de la vidéo ou autre, vous êtes informé directement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, hashtag Go100abonnés. On a déjà passé le cap des 32 abonnés et ça, je suis très content. Allez les amis, à la prochaine. Et n'oubliez pas, le build, c'est bien. Allez, à plus tout le monde!